Yann Moix a été pendant longtemps le chroniqueur de Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché. Mais il a récemment annoncé qu'il quitterait l'aventure au cours de la période estivale. Après trois saisons aux côtés de Léa Salamé, Vanessa Burgraff, Christine Angot et Laurent Ruquier, l'écrivain a décidé de passer à autre chose. Il confiait à Paris Match. C'est une sorte de contrat tacite. Tous les chroniqueurs qui ont succédé à Zemmour et Nolo sont restés trois ans. La production m'a dit qu'une quatrième année était envisageable, mais je pense que c'est bien ainsi. L'exercice est passionnant mais épuisant. Depuis, aucune information n'a fuité quant à l'identité de son successeur. Mais ce mardi 26 juin, Le Point a révélé en exclusivité le nom du nouveau chroniqueur qui va prendre sa place. Il semblerait que ce soit Charles Consigny qui débarque dans l'émission. C'est égal à http://i0wp.conlopotin.net.contentuplo@201806 max res de faux 11 jpg, rosis égal à https://i0wp.conlopotin.net.contentuplo@201806 max res de faux 11 jpg, rosis égal à 672% de c, 4, 3, 1, 7, 6, 8, w. http://i0wp.conlopotin.net.contentuplo@201806 max res de faux 11 jpg, rosis égal à 600% de c, 3, 3, 7, 6, 0, 0, w. http://i0wp.conlopotin.net.contentuplo@201806 max res de faux 11 jpg, w égal à 1600, 1600, w. http://i0wp.conlopotin.net.contentuplo@201806 max res de faux 11 jpg, w égal à 1400, 1400, w. http://i0wp.conlopotin.net.contentuplo@201806 max res de faux 11 jpg, w égal à 1400, 1400, w. Âgé de 28 ans, il sera le plus jeune chroniqueur dont n'est pas couché. Présent sur RMC dans Le Grand Gueule et chroniqueur chez Le Point, ce juriste de formation a tout à fait sa place dans l'émission. Depuis 2011, il a également écrit trois livres dont deux romans.